tout le monde, on se retrouve enfin, depuis le temps que je vous ai laissé là sur ma chaîne comme des brebis égarées. Donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et on redémarre sur ma chaîne à partir d'aujourd'hui, donc ça sera un vlog pour le nouveau départ. J'ai été absent pendant quelques temps, donc pour des raisons personnelles, je vais pas m'étendre là-dessus sur ma chaîne. Donc je suis actuellement sur Paris. Je suis arrivé aujourd'hui pour 3 jours de tournage avec L'Oréal, donc pour le Beauty Tube. Donc à partir de demain, donc aujourd'hui c'est un peu c'est light, j'ai pas mal de petites choses à faire, donc je vais pas trop filmer je pense. Ça sera plus intéressant demain parce que demain commencent les tournages donc de la rentrée pour le Beauty Tube. Donc c'est 3 jours de tournage jusqu'au 29, on est à Paris, donc je vais retrouver toute l'équipe, ça va être vraiment trop bien. Donc là je suis dans un Airbnb et demain on sera à l'hôtel, donc je vous montrerai un peu tout ça. Là je vais pas vous montrer la chambre parce que honnêtement je m'attendais à mieux, c'est pas terrible, et en plus de ça ça aurait été drôle que je filme en même temps. Je me suis cassé la gueule dans les escaliers, mais vraiment je me suis fait super mal. Je me suis étalé, en plus j'ai mes Timberland au pied, donc je vous raconte pas, en fait j'ai complètement loupé la marche. Bref, j'aurais pu vraiment me faire très mal. Je m'en sors pas si mal que ça, mais j'ai quand même eu peur parce que j'ai dévalé tout l'escalier. Je me suis dit ouf, où est-ce que tu vas? Je vais pas faire suivre l'appareil photo aujourd'hui, mais je vais faire des snaps certainement, peut-être des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre tant qu'on y est. Je vous mettrai les comptes juste ici ou ici, je sais plus. Et voilà les amis, donc de retour enfin depuis le temps, ça faisait un mois je crois que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de publier ce vlog et hâte que vous le voyez, et hâte de vous retrouver en commentaire parce que mine de rien c'est du boulot, mais ça manque parce que ça manque de répondre aux commentaires, ça manque de montage, etc. Et en plus j'ai plein de produits à vous montrer, donc franchement il était temps que je reprenne mes vidéos. Voilà. Donc je vous dis à plus tard ou à demain ou à tout à l'heure, j'en sais rien, on verra comment ce vlog se passe. Ça va être peut-être un peu le bordel, mais c'est pas grave, le principal c'est qu'on se retrouve. À plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 2, mais le premier jour de tournage au YouTube Space. Donc là je suis prêt, je me suis habillé, on va tous arriver à la suite je pense. Il y a déjà Juju je crois qui est arrivé et certainement Charlotte et Cam, je sais pas, je vais voir. Donc je suis prêt, on a eu le programme hier, ça s'annonce vraiment très sympa, avec de très beaux invités. Voilà, donc écoutez, je vous emmène avec moi pour la journée et pour les 3 jours, comme je vous ai dit hier, pour les 3 jours de tournage. Là je m'en vais du Airbnb, je suis chargé comme une mule, j'espère que je vais pas retomber dans les escaliers. Moi là je vais prendre certainement un Uber et je vais aller directement au YouTube Space, ou peut-être y aller à pied, je sais pas, mais comme je suis chargé, je sais pas comment je vais faire. Bon bref, on se retrouve là-bas. Ça y est, nous sommes arrivés au YouTube Space, donc on est 3 pour l'instant, il n'y a que Cam, Juju et moi. Donc vous connaissez les lieux maintenant, je ne vais pas vous montrer. Donc il y a Cam, il y a Juju qui est en train de se préparer. Hey, hey guys. Et Juju. Juju et Cam. Bah Juju n'est pas. Voilà, c'est ça. Donc on est arrivé, on attend tout le monde. Ils vont pas tarder je pense. Donc voilà, je vous emmène avec nous dans les tournages. Oh pardon, excusez-moi. Regardez qui vient d'arriver. Qui est là? Bonjour. Une bouteille. Ça va? Tu vas bien? Oui et toi? Ouais, mais ça va. Nickel. Nous sommes en place pour le premier. Oula, pour le premier tournage. En plein placement. Donc moi je suis au fond, étant donné que je suis grand et non pas parce que je suis délinquant. Voilà. Donc invité d'aujourd'hui, invité de renom, Ariane Goldé, rédactrice en chef de chez Marie-Claire. Donc ça va être super de l'avoir avec nous parce qu'elle va nous apprendre vraiment beaucoup de choses. Donc c'est cool. On vient de terminer la masterclass avec Ariane Goldé, donc qui est la rédactrice en chef de chez Marie Claire. C'était hyper intéressant. Franchement, j'ai adoré cette intervention. On a parlé de soi, on a parlé de tout ce que j'aime. Donc c'était vraiment cool. Là, on vient de se changer, donc on s'est mis en noir. On n'y voit rien. Pour un workshop. Donc là, ça va être hyper cool. C'est une blogueuse qui vient nous voir, c'est Ludivine, je crois que ça va être maintenant ou peut-être après, donc de toute façon je filme tout ça.
deuxième tournage à côté de la Sista. Regardez-moi ça, comme elle a fondu comme neige au soleil. Quel con. Ça veut dire que je vais disparaître si je suis de la neige. Tu fondras et on te remarquera plus. C'est moi qui fais fondre les gens. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. T'es pas mal, on la retient. Pas mal, on la retient, je la couperai pas au montage. Bonne chose qui arrive. Genre, vendredi, on va participer à l'émission de Janan. Pour ceux qui ne savent pas, Janan, elle fait une nouvelle émission qui s'appelle Je t'aime, etc. C'est ça, hein? Oui. Enfin, je me trompe pas. Je t'aime, etc. sur France 2. Et du coup, vendredi, et ben, nous, on sera dans le public. On est trop, genre, trop contents. Et du coup, on vous dira la date de diffusion. Ouais. Allô, oh là là, oh là là. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais arrêter les conneries. C'est la musique du jour. Sortez les couteaux. Voilà Kimi. Kimi est enceinte. Hein. Bravo. Kimi est enceinte. Kimi. Non mais alors. Kimi more. Elle pourra pas faire Give me more. Mais il faut pas que je le dise aussi, il faut pas que je le mette dans mon vlog que tu es pregnant. Ok, elle est enceinte jusqu'au cou. Elle assumait pas, maintenant elle assume. Elle a pris des S, un truc de dingue. Ah ouais, elle a pris des nichons, la meule. La meule. Oui, la vie n'est pas finie. Et on fait une saison 3 avec les mêmes. Oui, c'est pas le principe. On sait bien. Il faut savoir que cette transmission, c'est important. Par contre, vous aurez un rôle de transmission, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, moi j'ai une question. On te voit vendredi. On fait un câlin collectif. Câlin d'amour. Voilà, un câlin éloigné, mais c'est un câlin. On dit Beauty Tube 2. Beauty Tube 2. Bon, on se retrouve en fin de journée. Il est 10h, moi, le quart. On est allé manger un bout avec toute l'équipe. Là, je viens d'arriver à l'hôtel, donc je me suis dit que j'allais vous montrer la chambre. On n'est pas au même hôtel que d'habitude, donc je vais vous montrer ça. Donc, je viens juste d'arriver. Vous voyez, j'ai ma valise juste là. Voilà, donc un petit lit king size, ça va faire du bien. Donc là, il y a un petit bureau. Bon, c'est mignon, ça va, c'est sympa. Voilà, franchement, c'était une journée, mais extra. Et là, la douche. Voilà, bon, c'est cool. Bon, je vous montre pas ma tête, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, c'était, comme je vous disais, c'était, je crois, moi, une de mes journées tournage préférées. Il y a eu des intervenants hyper intéressants. J'ai eu un petit coup de cœur quand même pour l'intervention de Ariane Goldé, qui est la rédactrice en chef de chez Marie-Claire, qui est juste une pionnière en journalisme au niveau de la beauté, de la forme, de la santé. Donc franchement, c'était hyper hyper intéressant. Une dame extraordinaire, elle nous a appris beaucoup beaucoup, je trouve. Alors attendez. Allô? Mais t'as mis ta carte dedans? Bon, attends, j'arrive. Laetitia qui m'appelle parce qu'elle a un problème de lumière. Donc, on y va. Je vous emmène avec moi. J'oublie pas la carte, sinon je pourrais pas rentrer. Toujours la même qui nous fait chier. Mais ouais, mais voilà. Après, ça s'éteint. Hein? Salut tout le monde. On se retrouve dans l'ascenseur. Et devinez avec qui je suis. Avec sa sister. Sister. C'est tellement vieux, ça. Putain, ouais. Et là, on s'en va petit déjeuner. Oui. Putain, mais la lumière elle est pourrie. On s'en va petit déjeuner. T'as mis quel étage? Là, j'ai mis 0. Petit déjeuner. Bon, allez, on va. Tu prends quoi, Laetitia? Un petit pancake. Ils sont pas très épais. C'est une petite crêpe. Voilà. Non, c'est des crêpes. Bonjour à tous, ici Annabelle. Je peux pas vous faire Annabelle là parce que je n'ai pas les lunettes et les couettes. Ouais, j'ai un peu trop forcé, je crois, sur la terracotta, non? Ah, la lumière est divine ici. Donc nous sommes... Je suis dans la chambre de Laetitia, on ne se lâche plus. Nous allons descendre, direction Sephora Champs-Élysées. Nous avons quelques petites emplettes à faire. Je pourrais pas filmer parce qu'on peut pas filmer dans le Sephora. À toutes les poupées. Hubert Van, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, t'es sûre? Alors, je m'appelle Annabelle. Non, tu fais pas bien. Tu t'entraînes. Je te donnerai des cours d'Annabelle. Je suis une pute effarouchée. Effarouchée, pourquoi? Non, non, je m'appelle Annabelle. Merci. Thank you so much. Fenty Beauty. Allez, c'est parti. Bienvenue, du coup. Donc on vient d'arriver dans l'appartement où va se dérouler shooting, il y a make-up, coiffure, etc. Donc je vais vous montrer l'appart, il est juste canon, c'est super beau. Oui. Hop. Je te cache la lumière, non? Pardon. Ça y est, on vient de sortir de l'appartement, c'était hyper cool, on a fait plein de photos, donc il va y avoir des photos pro, donc ça va être vraiment bien pour les réseaux. Regardez pas ma tête, j'ai l'air vraiment très très fatigué. Donc là on attend Uber, on va chez L'Oréal au siège pour une petite formation produit et réseaux sociaux, donc ça va être hyper intéressant. Oh là là, qu'est-ce que j'accasse derrière. Eh oh, Annabelle, sors de ce corps. Donc là on attend le Uber, il y a Maïlys qui nous a rejoint qui n'était pas là hier. Regardez-moi ça. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Voilà, donc écoutez, je vous dis à plus tard. Je sais pas trop si je vous ai fait beaucoup d'images pendant les shootings, appartements, etc. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram. Il y a beaucoup plus de contenu direct. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos. Je vous dis à plus tard. Allez, gros poutou. Allez, toujours la même et qui fait la con. Salut tout le monde, on se retrouve en fin de journée, n'ayez pas peur, j'ai juste un masque. Et non, ce n'est pas l'highlighter de Rihanna, on pourrait le confondre. Il est, je sais pas quelle heure il est, je vais vous dire ça de suite. Il est 23h26, on vient de finir la soirée. C'était une journée hyper sympa encore une fois. Hyper sympa encore une fois, on a passé, franchement c'était vraiment génial aujourd'hui, on est allé dans un appart, enfin, vous avez vu les images, de toute façon je vais pas vous réexpliquer ce que vous avez vu, mais franchement c'était top. Demain matin à 10h on sera sur le tournage de Je t'aime etc, donc une émission présentée par Daphné Burki et Janan présente sa chronique mode, beauté etc, donc ça va être hyper cool, c'est elle qui nous a proposé de venir parmi le public pour assister à l'émission. J'ai trouvé ça hyper sympa de sa part de se démener un peu pour avoir des places pour nous tous. Donc ça va être chouette. Je vous donnerai la date de diffusion du programme, étant donné que c'est filmé à l'avance. Je vous dirai quand c'est que ça sortira sur la chaîne. Encore une fois, on repart avec plein de produits L'Oréal. Donc je pense que je vous ferai un concours L'Oréal, un big concours L'Oréal pour...
pour signer la fin du Beauty Tube qui va se terminer bientôt. Donc je vous ferai un concours certainement avec pas mal de produits. Il y a plein de produits sympas, il y a plein de nouveautés qui arrivent en novembre, notamment les gommages qui ont l'air juste mais trop bien. Voilà, il y a une gamme homme également qui m'a été présentée cet après-midi à l'appartement. Une gamme homme spéciale barbe, donc ça aussi ça va être hyper cool, ça va sortir bientôt ou ça sera déjà sorti quand vous verrez le vlog. Donc une gamme vraiment bien travaillée, je trouve. J'ai hâte de les découvrir, ces produits, parce que j'ai de la mousse à raser. J'ai pas l'habitude d'acheter des produits spécifiques homme et vraiment spécifiques barbe, donc je vous dirai ça si j'ai la chance de pouvoir les tester. Et voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses. Nous sommes allés chez Sephora la dernière fois, je vous ai même pas montré ce que j'ai acheté, mais là honnêtement je vais pas le faire parce que je viens de ranger ma valise. Je vais vous montrer. Donc là vous avez le masque que j'ai là actuellement sur le visage. Donc c'est un masque de la marque Too Cool For School. Je voulais essayer ce masque il y a un petit moment parce que j'aime bien les masques peel-off. En fait, il suffit d'attendre que ça sèche et ensuite vous retirez la pellicule de masque qu'il y a sur votre peau et ça purifie en profondeur. Et vous avez des particules d'or à l'intérieur qui apportent de l'éclat, qui travaillent sur le grain de peau, sur l'éclat du teint, etc. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Déjà, le fait que ce soit de cette couleur, je trouve que ça change un peu. C'est assez, voilà, c'est assez sympa de pouvoir utiliser ce genre de produit-là. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de passer, ben, pour moi, une bonne nuit. Pour vous, je ne sais pas. Et je vous retrouve demain. Voilà, bisous. Salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour de tournage sur Paris. Donc là, je suis prêt, on a déjà petit déjeuner et direction les studios d'enregistrement avec l'émission Je t'aime, etc. Donc c'est hyper sympa de la part de Jeannin de nous avoir invités dans le public. Encore une fois, une autre expérience top. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Je pense que je pourrais pas filmer comme je vous disais hier soir. Je sais plus, soit sur Snapchat, soit ici, je sais plus. Donc je vous amène avec nous. Et ensuite il y aura le live, il y aura des rencontres. Et voilà, je sais pas trop ce qui va se passer aujourd'hui, on verra. On suit au fur et à mesure du vlog ensemble sur Snapchat et sur Instagram. Là, je vais rejoindre les autres. On va prendre un Uber jusqu'au studio d'enregistrement. Donc, follow me. Salut, non, on salut voit pas. Les poupées. Salut les poupées. Comment ça va aujourd'hui? T'es qui? Moi, c'est Annabelle. Hein. Annabelle, reporter pour les peaux mixtes à grasse. Petit bouton. Vous avez vu, elle veut me voler Annabelle. Bisous les poupées. Bisous les poupées. Nous sommes en direct devant le studio d'enregistrement pour l'émission Je t'aime, etc. Donc on attend Jeannin, on va voir comment ça se passe. On a 1, 2, 3, 4, 5. Normalement on a 8 places réservées pour nous dans le public, donc ça va être hyper sympa. C'est le troisième jour, ça se voit sur nos têtes, on est fatigué. Non, ça se voit pas du tout. Magali, elle a une astuce pour ça, c'est les patchs chlorane. Ah oui, ils sont top ceux-là. À l'eau de bleu, c'est ça, chlorane ouais. À l'eau de bleu, et on les met top. Au frigo, c'est le top. Petit tips de Magali. Salut tout le monde, instant privilège. Normalement les téléphones sont interdits sur le tournage, mais on va pouvoir faire quelques snaps, donc je vais vous amener avec nous. On a déjà fait un premier tournage de l'émission Je t'aime, etc. Là on fait le deuxième, donc vous allez avoir des petites avant-premières sur l'émission et je vous tiendrai au courant de la date de diffusion. Voilà, c'est trop cool. Le mec des Link Up. C'est fini les gars, on a terminé. Tout le monde se casse et nous on reste. Allez-y, après je vais vous voir la fille pour le vestiaire. Ça y est, c'est fini. Pleine préparation pour le live de 16h. Donc j'espère que vous serez nombreux, de toute façon ça sera fini à l'heure à laquelle vous allez regarder ce vlog, hein, n'est-ce pas? Ouais, les desserts. Quoi? Oh, les macarons. Le staff. Ah mais on va avoir quand même le spot là où je pense qu'ils vont allumer la lumière. Hein.
On est toujours dans le même appartement qu'hier. On fait le live ici cette fois-ci plutôt qu'à Levallois au siège de L'Oréal. Donc c'est plus sympa, je trouve. Mais de quel côté? Je sais pas. Ouais, je vois. On va chez Fribourg. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour l'Allemagne? Non, 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 c'est en Suisse. On a deux, il y a un Fribourg en Allemagne et un Fribourg en Suisse. Franchement, je suis curée. Le timing. On est à l'aéroport de Orly avec Magali, donc voilà, c'est terminé. Les trois jours étaient vraiment super. Ce matin, on a fait, on a pu participer dans le public à l'émission Je t'aime, etc. avec Janan et Daphné Burkitt. C'était génial. Moi, j'ai adoré être dans le public. C'est une ambiance de fou. Franchement, c'est top. Donc voilà, et je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue avec Richard. Donc, il est venu nous rendre visite à l'appartement L'Oréal pour nous parler de la Fashion Week et pour nous parler du Beauty Tube, de ses projets, etc. Donc je vous invite à plus tard. Bisous et puis je vous attends en commentaire sous la vidéo.